Un peu grosse quand même. T'es vacciné ou t'es pas vacciné? Je te le fais, hein, moi blanc. Bon, tu connais la chanson, hein? Noyer Joël, bonne année, bonne santé, puis meilleurs vœux, on s'en bat les couilles. Ouais, j'ai tout fait de vidéo, et alors? T'es froid, hein? Bon, j'ai commandé un truc. C'est pour changer la l'huile. Pour changer toute l'huile de frein. Ah ouais, c'est bon, ça. Sur la photo, je vois ça plus petit. Putain. Putain, j'avais commandé de céréales avec. Putain, t'es. On l'a pas mis. Et ils ont même fait un pneu, vieux. C'est un pneu. Bon, ben, écoute, j'ai envie de te dire que. On va essayer ça sur la E21. Parce que les freins, c'est pas trop ça. Et quand tu regardes l'huile, elle est un peu noire comme ça. Et quand elle est un peu noire, apparemment, ça veut dire qu'elle a bouffé l'humidité. Vu que l'auto a 40 piges, enfin, elle va avoir 40 ans. Et qu'à mon avis, les freins, l'huile de frein n'a jamais été faite. Ça serait peut-être bien de commencer par celle-là. Hein. Et alors là-dedans, tu as tous les embouts. Tu as tous les embouts de tous les vases d'expansion possibles. Apparemment. Là, il y a ça aussi. Ça, évidemment, c'est pour mettre à la purge. Tu verras ce que tu remplis. Enfin, l'huile, comment elle va couler. Quoi. Bon, je retire toutes les étapes. Et puis on met celle-là sur le pont, la 28. Apparemment, c'est vraiment pour toutes les bagnoles. Maintenant, on verra bien. Bon, par contre, j'avais commandé une série avec, mais je ne l'ai pas reçue. Ou alors je la recevrai dans l'après-midi. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà vidé le petit qui est là. Avec. Avec ce que je trouve. Bon, ce qu'on va faire, tant pis. Je vais pas retirer ce qu'il y a là. Je vais pousser, ben, je vais pousser toute l'huile jusque tant que j'ai la nouvelle. Alors, avec cette machine-là, c'est normalement le même cylindre, il est ici. Tu dois faire l'arrière droite, puis l'arrière gauche, puis l'avant droite et l'avant gauche. En fait, ce qui est le plus loin le dernier tuyau, de ce qui est le plus loin du maître cylindre. Bah avec cette machine-là, tu dois faire l'inverse. Tu dois commencer par la roue avant droite, puis gauche, puis droite, et arrière droite pour terminer. Donc, ça, j'ai mis. Ici, je devrais revenir avec l'appareil, défaire les quatre roues. Et voilà. Après, je pense qu'on pourra le faire. Bon, allez, je lève ça, je retire les roues, et basta. Putain, radio de merde. Bon, j'ai pris de la Dot 4. J'ai pris 1 litre.
On va tout mettre dedans, et on va mettre. Enfin, je sais pas, c'est la première fois que je l'utilise. Je sais pas, c'est 1,2 de pression, je crois. 1,2 bar. On sait monter beaucoup plus, ça, mais. J'ai pas envie d'aller exploser le. Merde! Ouais, 4 bars, entre 2 et 4 bars. Ça me paraît beaucoup, moi. Si j'ai explosé le vase d'expansion. Le vase d'expansion. Le vase d'huile, là. Tout qui, 1 litre. Et apparemment, ce qui est bien, c'est que tu peux le mettre sous pression. Donc, tu mets les barres que tu veux. Et puis après, tu peux le décrocher et faire le trou dans la bagnole. Admettons, si tu dois, t'as pas un garage comme ça, tu dois faire ça dehors ou quoi. Maintenant, moi, je vais le laisser brancher parce que je m'en fous pas mal de foutre de l'air dedans ou qu'il n'y ait pas assez de pression ou je ne sais pas quoi. Apparemment, tu peux le débrancher. Bon. Ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Donc là, la vanne elle est fermée. Là. Là. Il n'y a pas de pression qui vient. Peut-être que j'ouvre aussi là. Je vais le laisser à 2 bars. J'ai pas envie de casser plus. J'ai pas envie d'exploser d'un coup bazar là. Dans la logique des choses, je dois mettre ça, tu vois. Putain, il y a l'autre qui pète de plomb là. Mais vu qu'il y a la clé, j'arriverai jamais à tout mettre à mon avis. Lui, il reste à 2 bars, ça c'est bon. Et lui, bah, elle coule. Hein. Ça c'est au moins ce qu'il y a dans le potiquet pour pouvoir le fermer là. Elle est bien plus transparente que tout à l'heure hein, par rapport à ça. Par contre, je vais pouvoir tout frotter après parce que. J'ai pas la bonne clé et ça fait ben ça coule. Je suis un baraqui. La pression qui va. De l'huile, il y en a toujours. Heureusement. Ah là, elle arrive. Regarde comme elle est dégueulasse, cette putain. Putain, y a plein de trucs dedans. Oh, elle est dégueulasse. Salope. Par contre, ici pour couler, alors on met du temps. Hein. Pour l'huile de frein, c'est préconisé tous les 5 ans. Tu sais, moi je savais bien qu'on purgeait une bagnole, mais je savais pas qu'on changeait l'huile de frein. Bon, quand tu vois la couleur de l'huile, mais mec, normalement, elle doit être un peu plus épaisse que ça, l'huile, non? J'espère que tu vois là. Normalement, oui. C'est carrément de la pâte, vieux. What's ça, les morceaux qu'il y a dedans? Putain, c'est plein de morceaux. J'ai bien le temps là. J'ai bien le temps, ouais. Putain, t'es. Bon, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ah! La belle couleur là. Bon, it's good, il n'y a plus de bulles. Hein. Il y a peu de bulles. D'ailleurs, oui. Voilà. Il est toujours aussi dégueulasse. Ça, forcément. C'est pour ça qu'on change d'huile aussi, hein, Michel. Ça, par contre, c'est quand même mal foutu hein, que ça crache. Enfin. Et sous pression, tu vas me dire, mais j'ai envie de te dire, t'as pas trop le choix.
Putain, elle me paraît fort, fort liquide. Bon, ça me fait juste chier parce que. Bah, lui, là, elle passe au réco rapide, là. Une fois que j'ai purgé. Et donc, ça dégueule, là. Soit c'est moi qui l'avais mal mis. Ou soit. Bah, ça fait chier. Parce que si à chaque fois ça dégueule comme ça, pour frotter après, je vais me marrer. Hein. Ah, putain, par contre, là, il est à stock. Ah! Ouais, je viens d'aller bouffer, mais en même temps, j'ai reçu ma super seringue là. Je vais aller la chercher. Parce que là, il est un petit peu trop plein, on va dire. Oh! J'avais demandé une seringue, j'ai pas demandé un bidon. Hein. Un peu grosse quand même. T'es vacciné ou t'es pas vacciné? Je te le fais, hein, moi blanc! Au max. Hop. Voilà. Au max. Putain, mais je fous de l'huile partout. Hein. Bon. C'est plus qu'à tout nettoyer. Hein. Ben voilà, comment est-ce qu'on a changé l'huile là, blanc? Bon, regarde, si tu veux. Hop. Hop. Voilà. Sur Amazon, 107,66. Bon, pour une reprise de vidéo, c'est pas trop mal. Hein. Bon, allez, prochaine fois, c'est la bourre. Hein. La BM, la E30. C'est mon père qui viendra acheter ça. J'essaierai de te la présenter comme je peux. Allez, bisous.